Attention, cette bande-annonce n'a ni queue ni tête. Les rescapés du survivor. Vous avez aimé Star Wars. Vous avez adoré Star Trek. Carnet de bord du capitaine. Coefficient espace-temps BDF0A79. 6E. 144-41-D7. F9 49-6 ABF. Hey capitaine, il a coulé mon Enterprise. Vous avez rêvé devant Stargate. C'est toi qui as les clés? Non, elles étaient sur la table de la cuisine. Ah, on va sonner, c'est pas grave. Tu te débrouillais mieux dans MacGyver. Vous vous êtes bien marré devant Star Academy. Mais c'est l'émission Castaldi, ça? Mais non, c'est l'émission où les gens ils apprennent à chanter. Allez, allez, Milor, venez vous asseoir. Bon, oui, c'est pas très réussi, mais bon. Vous vous êtes endormi sur Rencontre avec Joe Black. Bonjour, mon nom est Black. Joe Black. Ouais, n'importe quoi, c'est la musique de Derek. Mais vraiment endormi. Black, viens mon chien. Allez, viens. Viens, chérien. Ah, Black, non. Endormi d'un sommeil très profond. Bonjour, monsieur Black. Votre mission, si vous l'acceptez, consiste à vous souvenir de l'histoire du film Rencontre avec Joe Black. Vous ne vous rappelez même pas de l'histoire? Bien sûr que si, c'est l'histoire d'un homme qui est noir et qui lutte contre le racisme. Non. Si, même que je me rappelle qu'il est plutôt blanc et qu'il a un avocat noir qui s'appelle Joe Black qu'il a dû engager parce qu'il a le sida. Non. C'est l'histoire d'un type qui a fait des rencontres du troisième type, alors il prend un nom d'emprunt pour éviter d'amener les envahisseurs. Non. Alors voilà, il est obligé d'aller au minimum à 60 à l'heure dans un autobus qui part dans l'espace pour détruire les météorites très méchantes qui menacent de s'abattre sur la Terre et de provoquer un raz-de-marée géant. Et même que c'est Robert Pastis qui pilote. Oh, c'est Robert Duval. Ta gueule. Non. Mais si, à la fin, il se téléporte en même temps qu'une moule dans un taxi volant conduit par Bruce Willis, alors du coup, il se réveille dans la peau de John Malkovich après avoir pris une pilule bleue. Là, il rencontre John Travolta avec des ailes dans le dos, alors il le bute parce qu'il a tué son frère pendant la guerre du Vietnam, ce qui fait qu'aujourd'hui, ça mérite une journaliste. C'est n'importe quoi. Oh, merde. Aujourd'hui, vivez de nouvelles aventures gratuitement. Ouais. Chez vous, sans chaussettes et mal rasé. Ouais. Une nouvelle saga spatiale en MP3. Ouais. Par les créateurs du donjon de Nahul Buck. Ouais. C'est qui? De l'action. Oh non, on va vraiment faire cette merde? Non, pas vraiment, mais c'est pour attirer les gogos. Du suspense. Oh mon dieu, mais que se passe-t-il? Ah rien, elle a juste perdu une boucle d'oreille. De l'amour. Oh Steven, si tu savais comme je t'aime. Oh moi aussi, Olga. Personne s'appelle Steven dans l'aventure. Ta gueule. Du poulet. Ça devient vraiment n'importe quoi, là. Des crêpes au fromage. Et tu oublies ta liste de courses, là. Désolé. Je voudrais pas dire, mais elle est déjà faite dans Nullbug, celle-là. Hein. Ta gueule. Si c'est comme ça, je me barre, moi. C'est ça, bonne idée. Une quête sans merci, au-delà des limites connues de l'espace. Je ne connais pas cette partie de l'espace. Ah là, il faut prendre à droite. T'es sûr? Ouais, je suis venu l'année dernière pour le mariage de mon ex-beau-frère. Prochainement, sur Internet. Eh ben, ça m'a l'air bien parti, encore une grosse connerie.